À Baudilis, dans le Finistère, les transports Guivarch rencontraient des difficultés à la livraison de menuiserie, une activité progressivement montée en puissance, avec des produits de plus en plus lourds et encombrants. Avant d'opter pour une solution de chariot embarqué, placé sous le châssis de la remorque, l'entreprise a tenté d'imaginer les possibles en associant les chauffeurs à la réflexion. Guillaume Pellet, le co-gérant, revient sur cette expérience. Déjà, c'est une activité qu'on a découvert il y a 15 ans, qui a été crescendo et qui, du coup, aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est les accessibilités sur chantier, la difficulté des tailles de menuiserie, plus des poids des menuiseries, qui ne nous permettent pas forcément, avec juste un transpalette, de pouvoir livrer juste au pied de la maison. Et notamment sur le pavillon neuf, il était nécessaire qu'on trouve une solution pour poser la fenêtre à l'endroit désiré par les poseurs, sur des terrains accidentés, risque de chute de menuiserie sur eux, stress, on va dire, sur comment je vais faire, à quel endroit me garer. Et donc c'est pour ça qu'on s'est assez vite renseigné sur, dans un premier temps, un transpalette semi-tout-terrain, mais c'était pas suffisant. Le produit nous permettait seulement de lever 500 kg maximum. Donc, on a souvent des menuiseries en palette qui sont avec des poids supérieurs. Plus c'est en capacité de pouvoir aller sur, on va dire, passer un trottoir ou aller sur une allée, on va dire, gravillonnée mais très dense, assez compacte. Mais dès qu'on est sur une activité chantier avec des ornières, des trous ou de la boue, c'était impossible de pratiquer. Et du coup, on était obligé de déposer les menuiseries à 100 mètres du chantier, sur le trottoir. Ça a créé des tensions entre le pavillonneur et puis notre client. Et c'est pour ça que, de par les échanges avec nos conducteurs, notre client et les produits qui existaient sur le marché, on s'est renseigné sur le chariot embarqué Palfinger. On a organisé un essai avec notre client, avec un conducteur référent chez nous. Notre conducteur, même s'il était déjà quasi convaincu, mais bon, au moins l'intégrer dans la pratique et dans la prise de décision. En un essai d'une demi-heure, le test était concluant pour toutes les parties. Donc on a pu appuyer sur le bouton, en plus de l'aide qu'on avait reçue de la CARSAT dans la démarche de prise de décision de cet investissement. Donc depuis longtemps, nous sommes proches de la CARSAT. Notre père était membre, on va dire, du club sécurité routière en entreprise dans le Finistère. Et ce projet d'amélioration des conditions de travail sur une activité sensible, on leur a demandé de l'aide sur l'aspect technique et puis dans un second temps financier. Et puis on a réussi à aboutir à quelque chose qui permet à tout le monde de grandir et de sortir gagnant de cette situation. Déjà, c'est nous faire prendre conscience en nous demandant, nous, la direction, de nous engager dans un parcours de prévention, mais au moins apporter du formalisme sur ce qu'on veut, le faire, le dire à nos collaborateurs. Et donc, du coup, toute cette démarche nous permet, on va dire, de cibler un peu plus la direction dans laquelle on veut aller pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs au quotidien.